Bon, hier après-midi, nous étions à environ 5h30, 9 ou 6h, la police était informée de l'accident, terrible accident ça. Un défait. Qui est arrivé dans la zone sous Koute. Il y a une zone qui est trouvée entre Carriès et Williamson, sur route nationale à Akayè. Et moi, pas de temps pour me dériver sur les lieux. Et maintenant, moi, je la police est maintenant sur place. Et après le constat légal, on a dénombré 14 cadavres, 14 corps sans vie, que, avec aide, monsieur dans la protection civile dans la commune, qui était capable de retirer mon sœur dans le papa d'Absa pour être arrêté avec un peu de difficulté pour te mettre au dehors. Et puis papa d'Absa, et a transporté 15 personnes sorti pour santé pour aller à Port-au-Prince. Il y a 14 personnes qui étaient en dedans et il y a 15e monde, c'était dans l'échelle là derrière. C'est mon ça seulement qui était en vie. Après tout le monde qui était en dedans, pas d'avoir mouru et puis me constaté. Et ensuite, il y a eu après il y a des gens qui étaient blessés, qui étaient transportés à l'hôpital. Et il y a un peu l'hôpital dans la commune qui bail service, c'est l'hôpital réformé de Saint-Anne et l'hôpital de référence, Nicolas, moi qui est dans la ville. Ensuite, je suis rentré dans l'hôpital réformé, je suis constaté trois blessés. Et là, je suis sorti dans l'autobus qui a suivi le trajet Santo Domingo pour arriver là. Et l'autre là, c'était survivant qui était dans papa d'Apla, qui était dans nous toute explication, qui était confirmé pour nous que papa d'Apla était 15 monde, 14 mouri, c'est seulement lui-même qui vivant. Parmi les gens qui mourent, combien de filles est-ce que tu as un petit monde comme passager? Non, pas de petit monde. Moi, j'ai constaté 8 filles et 6 garçons. Et dans le bus qui t'a sorti au Saint-Domingue là, pas qu'il y a un blessé. Pas qu'il y a un mort. Moi, je ne connais pas si la quantité de blessés qui est allé dans l'autre hôpital, mais ça m'a constaté qu'il y a blessé. Moi, je suis capable de constater 3 blessés pour le bus qui était sorti Saint-Domingue là dans l'hôpital. Avec le blessé, c'était dans le papa de la blague. Quelle information vous avez sur les circonstances d'accident? Comment le produit? Comment ça arrive? D'après les gens qui vivent qui sont dans l'autobus, vous connaissez qu'on a pu faire fin tomber. L'État a informé moi que c'est l'autobus qui sortit de Saint-Domingue qui portait bourré sur le papa d'Apla qui occasionnait un terrible accident. Ça. Mais l'information qui me dégaine avec QIO qui était sur place, on dit que tous les bus, c'est cause excès de vitesse et imprudence après la pluie qui cause accident. Donc c'est sûr, après la pluie, donc, comme la pluie n'a pas tombé quelques jours, route non, c'est peut-être glissé, c'est peut-être un mauvais contrôle. Il y a une là-dedans qui vient cause croisement, ça n'a pris les collisions. Bon, et effectivement, c'est ça lui-même. Mais il faut me dire tout. Route nationale là, dans la zone Pamna, la commune Pamna, je ne suis pas censé maintenant, ça ne pas constater un accident de circulation. Même il n'y a pas de monde mourir, mais. Toujours il y a accident sur route là. C'est ça que fait toujours des chauffeurs. Pour prendre une conscience. Parce que route là, elle est vraiment fragile. Parce que surtout pour chauffeur pas d'avion. Parce que c'est dans un clin d'œil, il y a un vaisseau. Ah oui. Parce que. Bon, beaucoup de gens me rencontrent mon papa d'Apla sur la capo au ralenti. Parce que il est vrai, bus qui a sorti Santo Domingo et passager qui est dans papa d'Apla dit que c'est autobus qui a été bourré sur eux,
même qu'on est tous si chauffeur et papa d'avant conduit avec prudence, je pense qu'il était capable d'éviter l'accident. Ah oui. Oui, constat aussi parce que chaque jour, on a fait et nous toujours dit, son temps de te gon moun, t'es non papa d'ap, kap sot nan ville province, de boutan de papa d'ap sa, pi il perdite, se kat ti kaoutchouk en ban, et gen de mesure, m sonje ki te pran, et kote ou te même vle interdi pou papa d'ap sa yo, pa fe trop loin, nan ville province yo, parce que ou ran yo compte vraiment, donc, le ou sou out lan, c'est celle-là d'autres. Oui, c'est celle-là d'autres. La manifestation, monsieur, était fait, l'autorité est obligée de retourner sous décision. Sous décision. Mais oui. Juge, dans le constat, nous faisons, est-ce que tu as une possibilité de nous joindre une carte d'identité sous Mounio et comme ça, ou tu as capturé son premier liste pour nous de victimes? Non, c'était matériellement impossible. Parce que c'est une valise ou peut-être pièce qui est capable. Et il y a quelques valises, quelques chances de récupérer, nous avons confié avec la police. Il faut mieux passer dans le commissariat pour vérifier, mais nous n'avons pas de chance pour nous être capables d'identifier. Et la pluie après que nous finissons tomber tout, l'essentiel c'était de retirer le cadavre dans la rue pour nous faire transporter dans la mort. C'est ça que fait nous avons confié. Cadavre ça y avec deux entreprises funéraires qui sont dans la zone là. Nous avons confié 8 filles avec une et 6 garçons avec l'autre. Pour les femmes qui sont venues pour capables facilement à identifier le cadavre pour chaud dans le pont funèbre. C'est des cadavres qui sont faciles à identifier. Je suis poisson de poisson. Ok. Pour rentrer à Port-au-Prince. Et d'avant de Port-au-Prince. Voilà. Donc, bus sorti en terre voisine, il t'a pris quelle direction? Bus sorti en terre voisine, il t'a pris direction Gonaï. C'est son trajet qui compagnie ça a assuré chaque jour. Et il a monté, il a descendu. C'est-à-dire, mon cap sorti à Haïti, passe domaine, sorti Gonaï, il passe à akayè. Passer par Yaspin pour rentrer Santo Domingo. Et pendant que nous avons rentré, toujours il y a une cap sorti. Ok. Et qui nous accompagne ça? Moi, je ne connais pas nos compagnies exactement. Parce que nous avons pu salmaquer Santo Domingo. Gonaïf. Gonaïf. Ok. Bonjour Pierre Renel, bonjour Bobsy. Et bonjour à toute auditrice, tout auditeur de Grand Boulevard. Donc nous-mêmes, au niveau stop accident, qui s'amène comme élément de formation en plus par rapport à l'intervention au sujet-là, le juge de paix qui a fait constat cadavre, qui lui-même dit qu'il constaterait 14 cadavres qui deviennent sous place. Ok. Et l'intervention du juge est fondamentale, très importante, parce que la CASA, comme autorité légale qui vivait sous place, mais remarquez-vous, l'idou que l'irrivé vers, il a rentré vers 5h30 et accident a passé vers 3h30. Donc ça veut dire que l'irrivé est un peu 2h après, c'est-à-dire que par rapport à l'heure informée là, et qui fait que l'ICA fait constat sur le monde qui mourit sous place, mais le monde qui blessé, c'est qu'il a évacué dans le temps, l'ambulance a commencé à transporter le monde, et les machines qui commencent à transporter le monde. Et ça me t'a dit comme information additionnelle, bon, on va dire le passage de nom du flanc, c'est du point que ce capital facteur et qu'on va y s'arrêter. Et pour l'image, parce que vous parlez avec des mondes qui étaient sous les lieux, et l'image de tout montre que mon monde qui est en bas du cela, c'est-à-dire que mon dame, du cela tombé sous lui. Et c'est vous qui le regardez. Et bon, en fait, on a fait vraiment catastrophe. Et gagner, nous avons tout gagné au moins un monde qui mourit pendant.
cas parce que on pas même qu'à jouer quand tu te montres parce que pas que dans quoi on est en Haïti il y a pas quelqu'un côté enregistré monde qui monte du show c'est que c'est du bas sur que monde qui démonte qui démarre à qui bat information ou bien des informations cavale même ça fait que il y a des informations bas cavale parce que sont monde qui sous show donc voilà nous et nous considérer information que protection civile bah la parce que David est coordonnateur régional de protection civile là information que nous joignons sur le site officiel de protection civile, comme on parle avec l'agent de protection civile, tout parler de 21 monde qui tarderie sur le champ. Et j'ai l'impression que ça a gagné, parce que nous n'avons pas une information exacte là. Il y a des mondes que peut-être que, parce que l'agent de protection civile là, bon, en fait, c'est pas un médecin. Et il y a des gens qui ont ainsi reporté comme des gens qui mourent, parce que il y a des gens qui ont planté au vivre, il y a des gens qui ont selon eux-mêmes qui n'ont pas mouru, donc à part en dame, ils ont besoin de transporter. Donc, on va parler si c'est des gens peut-être qui ont des cartes pour les moments, parce que c'est des gens qui ont parlé avec le papa, c'est des gens qui perdent du côté de ça, c'est des gens qui sont très vraiment graves. Et en un cas actif de ça, il y a pile tout le monde à craquer, il y a des gens qui ont frappé, qui ont craqué, ou il y a un jour. Donc, c'est une situation vraiment compliquée que nous pas à éviter, parce que moi, je peux des commentaires tout à l'heure, donc je dis ça clairement. Le lapin, quelques jours la vie va tomber en bas, le lapin a fait qu'à faillir dans les fait tomber, tout ce qui est clair du jour transformé en la boue et que vraiment il faut matiner, il faut chauffer matiner, c'est presque quand vous t'attendez. Et donc on est que le lapin a fait pour la fête avant l'état à demander le boule, respecter le nom, vous pouvez le partager, vous même déjà tellement brisé. Et qui ça me fait de, en tout cas, dans des institutions sanitaires qui, aux alentours, on a parlé de l'hôpital, qui capacité pour recevoir blessés, surtout dans une zone, tant que route nationale numéro 1, zone ça, au niveau akayè et cabaret, qui toujours gagne accident, est-ce que l'hôpital répond? Bon, premièrement, l'homme est quantité de victimes d'AO et en général, l'hôpital a demandé pour déclencher un plan blané pour permettre que, parce que il n'est pas facile pour que l'hôpital recevoir 30 monde additionnel que le papa tombe d'un coup, dans l'urgence pour que l'hôpital puisse en charge jamais. Nous reconnaissons tout mon problème sur route noyau. En pile fois, pas rien, l'hôpital qui t'a répondu. Mais maintenant, son temps connaît que. Nicolas, Dakar, par beaucoup de bien, même si nous on s'est éloigné de Saint-Marc, le plateau technique qui t'a fait du dans chaque jour. Mais effectivement, c'est un petit peu de monde dans le pays. Alors, route nationale, le WAPER, c'est aussi un problème qui est bon, parce que il y a trop l'hôpital qui t'a fait du dans chaque jour. Et nous sommes j'ai un cas qui débatte avec l'ancien ministre de Santé. Et vraiment, nous pensons que c'est une peut-être stratégie pour que le ministère a pas été sous pied, renforcer structure qui sous route. Parce que route noyau, il y a un pile accident d'affaires, il y a un pile marché qui traverse ces routes qui coupent les routes noyaux, mais pas bien sûr
particulièrement de structures hôpitales qui ont fait bilan chasseur. Puisque lors des cas d'accident, c'est des maladies spécialisées, c'est des maladies chirurgicales pour la plupart du temps, c'est des mondes bien cassés, pieds cassés, tête frappée. Donc, c'est surtout ma dernière même, même sous, même en milieu, il n'y a pas bilan chasseur. C'est que Bernard Meuse qui vient parler. L'hôpital général a fait un mouvement, mais vraiment, non pas qu'à faire une chose. C'est certainement un problème grave qui gagne par rapport à la question du point de vue sanitaire. Dernier aspect qui gagne en question sanitaire, là, qui ne m'a pas touché la plupart du temps, c'est l'aspect de l'impact psychologique de l'hôpital. Il y a des gens qui perdent du temps après l'accident. Et puis, il y a des gens qui ont un problème qui est vraiment triste, parce que on va regarder sous même accident ce qu'il y a là. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez réfléchir sur lui comme pays pour